Ça fait du bien ce petit frais. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'étais très contente de pouvoir me mettre une petite chemise ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Coucou, je vois que tout le monde est là. Salut Lynn, salut Caroline, salut Isabelle, salut Kat, salut Ben. Salut tout le monde. Bon. Alors, moi, je suis pas du dimanche matin. Je vous avoue que je pense que je suis à ma deuxième tasse de thé et même un petit peu de café pour me réveiller. Mais on va y arriver. Écoutez, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Il y a même Matcha qui a décidé de pas me lâcher ce matin. Voilà. Donc, ce matin, Matcha est avec nous. Hein, bébé ? Voilà. Hop, je la remets sur les genoux. Alors, ce matin, ça y est, c'est le grand départ. Vous avez fait de magnifiques échantillons, vous avez fait les exercices, vous êtes prêts. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, je vais vous montrer un petit peu, moi j'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble notre travail du début. Et puis, ben, pourquoi vous allez faire ce que vous allez faire, ok? Donc, hop, oups. Mon micro qui veut pas s'arrêter de tomber. Ok, donc, voilà. La caméra, j'aurais besoin de mon plan sur ma caméra. Attendez, ta-la-la-la-la. Un petit aperçu, voilà. Regardez un peu ce qu'on va faire ce matin. En tout cas, ce que je vais vous expliquer.
Donc, ça, c'est le début du pull. Donc, on se rappelle, hein, c'est un top-down. Il est commencé par l'encolure, puis on va descendre progressivement. Donc, comme vous pouvez voir, on a le dos qui est plus haut que le devant. Donc, on va le travailler avec les rangs raccourcis à l'allemande qu'on a travaillé à travers l'exercice. Voilà. Je vais vous faire... Vous voyez le petit fil qui est là? C'est le début du tricot. C'est là qu'on a notre marqueur de rang. Il est donc au milieu du dos. Hein. Voilà, au milieu du dos, on le voit bien. Puis on voit bien cet arrondi qui nous est donné par les rangs raccourcis. Puis voilà, on peut voir les raglans de l'emmanchure avec nos deux mailles au milieu. Voilà, sur la manche. Donc... Voilà, c'est comme ça qu'on va commencer. On va se parler de ça. Salut Sylvie, salut Elisa, ça va bien? Donc, hop, on va re-switcher. Voilà, alors, donc, on n'oublie pas, on commence son encolure avec les aiguilles plus petites. Ça, souvent, on ne l'oublie pas. Ce qu'on oublie, par contre, c'est de changer pour les plus grandes aiguilles après avoir fait les quelques rangs de points mousse. Donc faites très attention parce que ça c'est le petit piège qu'on a tendance à oublier. Donc moi j'ai tendance vraiment à le faire. Donc ce que je fais souvent c'est que j'entoure en rouge le fait qu'il y ait marqué changer d'aiguille. Ça me permet d'éviter ce genre de petite erreur. Salut Isabelle. Donc très simplement vous avez choisi votre taille. Ok. Et vraiment un petit truc qui a l'air de rien, mais qui pourra vous aider à ne pas faire d'erreur, je vous conseille d'entourer toutes les indications sur les deux premières pages qui vont correspondre à votre taille. Salut Aurélie! Donc, très important, hein, avant même de commencer, vous avez choisi votre taille. Okay. Donc, vous allez entourer toutes les indications sur les deux premières pages qui vous correspondent, ok? Ça va vous éviter de, sans faire exprès, changer juste d'une taille dans la parenthèse parce que vous n'avez pas bien vu. Et là, ben voilà, là c'est la catastrophe. Bon, donc, vous commencez avec les plus petites aiguilles. Vous montez le nombre de mailles qui correspond à votre taille. Donc, personnellement, moi, c'était la quatrième taille. Donc, j'ai monté 104 mailles. Et on va commencer en rond. Donc, quand on commence en rond, là, j'ai pas fait le petit échantillon que j'aurais peut-être dû vous faire. Attendez. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais tricoté en rond? Levez la main, celles qui n'ont jamais tricoté en rond. Enfin, de manière virtuelle. Faites-moi un petit... Moi, j'ai jamais tricoté en rond. Je vais juste vous faire une petite démonstration. Oups, la pelote qui est tombée. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont encore jamais tricoté en rond? Salut Laurence! Est-ce qu'on a les Parisiennes? Est-ce qu'on a les Françaises là avec nous? Je pense que Elisa, tu étais de France. Est-ce qu'on a les Françaises et les Belges qui étaient avec nous? Faites-moi un petit coucou si vous êtes outre-Atlantique. Attendez, je vais monter quelques mailles juste pour les gens qui n'ont encore jamais tricoté en rond. D'ailleurs, le groupe d'avant me disait « Mais comment tu montes tes mailles ?» Alors, salut Isabelle. Donc, ceux qui n'ont jamais tricoté en rond, toi, d'accord, super Louise, donc je vais vous montrer la manière aussi dont je monte les mailles. Donc, moi, je travaille avec le long tail cast-on. Je ne vais pas l'expliquer. Ok, Aurélie, bah, c'est très bien. Donc, je vais vous montrer comment on va joindre. Je vais juste vous montrer comment je monte en long tail cast-on. Je ne vais pas faire la démonstration aujourd'hui. Si jamais vous voulez un vidéo un petit peu sur le long tail cast-on, vous pouvez aller sur knittinghelp.com. Donc, knittinghelp.com. Je suis sûre que Ben va pouvoir le noter. Et knittinghelp.com. Et vous avez une vidéo qui s'appelle le cast-on. Donc, ça va être un long tail. Donc là, je vais juste vous montrer. Ah, je me rappelle, Elisa, t'étais bien Aurélie aussi. Ok, donc je vais vous montrer comment je fais mon long tail cast-on. Donc, simplement, j'ai mes deux fils. Voilà. Donc, un long tail cast-on. Un, voilà. Donc, dites-moi comment vous montez vos mailles.
Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. J'ai comme une fronde comme ça et puis je monte mes mailles. En fait, ce que je fais, c'est que je les monte et je les tricote. Ok, je vais aller un petit peu plus vite pour pouvoir vous faire la démonstration. Alors Sylvie, hop là. Sylvie, tu me dis, on dit monter 108 mailles entre le 110 et le 114, est-ce que c'est une erreur? Non, ce n'est pas une erreur Sylvie. Vraiment pas, c'est pas du tout une erreur. C'est qu'il va y avoir plus de rangs raglants après. Donc c'est pour le ratio. Donc non, c'est absolument pas une erreur. Ne t'inquiète pas Sylvie. Ça arrive souvent hein, qu'il va y avoir beaucoup plus de rangs de raglans. Puis à chaque rang de raglans, on rajoute 8 mailles. Donc on part avec un tout petit peu moins de mailles au départ. Ah oui, c'est vrai. Merci Louise, c'est un très bon rappel. Pour ceux qui veulent voir comment faire le long tail cast on, c'est vrai que je l'ai montré dans le premier épisode du cours sur les bases de la couverture que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, l'épisode numéro 1, à apprendre les bases du tricot en faisant une couverture. C'est vrai. Merci Louise de me rafraîchir la mémoire. Et tu te rends compte, ça fait quand même deux mois que j'ai commencé ces cours en ligne et voilà, et j'ai oublié ce que j'ai expliqué dans le cours numéro 1. Ok, donc j'ai monté mes mailles et puis, et salut Karine, j'ai monté mes mailles. Maintenant, je vais vous montrer, pour ceux qui ne l'ont encore jamais fait, comment est-ce que je vais joindre en rond. Hop, voilà, je change les caméras, je vais prendre un petit anneau repère, voilà, donc très important. Oups, mon petit anneau repère, j'ai monté mes mailles. Alors moi j'ai un petit truc, je vous partage tous mes petits trucs aujourd'hui. Quand on fait un long tail cast on, normalement il va souvent vous rester un petit peu plus de fil, d'accord? Donc moi avant de commencer, ça c'est une très bonne question Christiane, je vais te répondre parce que ça va servir à tout le monde. Avant de commencer, voilà, je fais un petit nœud. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ne pas commencer avec le fil que j'appelle le fil de traîne et puis se rendre compte au bout de 10 ou 20 mailles qu'on a pris le mauvais fil. Donc, je vous conseille fortement de faire ce petit nœud au début. Alors, donc, excellente question Christiane. Combien de long est-ce qu'on doit laisser quand on fait un long tail cast on pour être sûr d'avoir du fil jusqu'au bout? Eh bien, on doit laisser 3 fois... Attendez, je vais changer. Voilà. Alors, on doit laisser, c'est très important, 3 fois la longueur de ton tricot. Alors, comment est-ce que je sais à peu près, ça va être quoi la longueur de mon tricot? Ben, écoute, c'est simple. Là, on monte l'encolure. Donc, par exemple, attends, hop, heureusement que j'ai des bouts de laine qui traînent partout. Donc, ce que je vais faire, par exemple, tu vois, c'est que, voilà, je vais prendre ça comme idée à peu près. Hop. Et je vais le reporter 3 fois et je vais commencer comme ça. Donc toujours, dis-toi que pour commencer un long tail cast on, tu te laisses 3 fois la longueur de fil de ce que tu vas tricoter. Et c'est ce 3 fois, c'est aussi une petite règle super importante. Quand vous vous demandez est-ce que je peux finir le rang avec ce qui me reste de fil, eh bien si tu peux faire 3 fois la longueur de ton rang avec ce bout de fil, tu peux terminer ton rang. Si jamais tu n'arrives pas avec ces 3 fois, c'est que tu n'auras pas assez de laine pour terminer ton rang. Donc ça, c'est un super truc pour ne pas avoir à rajouter un fil en chemin. C'est vraiment un super truc. Ok. Ok. Donc, on est là. On a monté toutes nos mailles. Attendez, hop. Je vais juste essayer de... Ok, on a monté toutes nos mailles. J'ai du mal à avoir un gros plan. Voilà, ok. La première chose que je vais faire, je vais simplement placer l'anneau repère. Donc, je le mets sur l'aiguille. Hein. Mon fil est là. Très important, je fais attention que toutes mes mailles soient dans le même sens. Alors, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça twiste comme ça.
si jamais c'est twisté comme ça, vous n'allez pas avoir un rond, vous allez avoir un 8, ce qu'on appelle le nœud de Moebius. Et ça, c'est un sort, qui fait que vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, très important, je fais attention que toutes mes mailles soient vers l'intérieur. S'il faut simplement le poser à plat, comme ça, je vais juste essayer, voilà. S'il faut le poser à plat, voilà, et être sûr que toutes vos mailles sont bien vers l'intérieur. Hein. Encore, je montre, on ne veut surtout pas avoir un twist quand on va joindre. Ça, c'est vraiment un sort impardonnable. Donc, je suis ici, toutes mes mailles sont bien vers l'intérieur. J'ai mon fil à droite, très important. Et c'est comme un serpent qui se mord la queue. Je vais donc commencer avec la maille de la fin du rang, quelque part. Hein. C'est aussi simple comme ça, que ça. On commence dans le patron avec un rang à l'envers. Donc, je mets mon fil devant. Je suis là. Et j'ai juste à tricoter. Et voilà, mes deux côtés sont joints. Donc, vous voyez, tricoter en rond, en fait, vous allez vite devenir accro pour ceux qui n'ont encore jamais fait. C'est extrêmement simple. Alors, une chose à savoir, c'est que quand je fais du point mousse et que je tricote en rond, eh bien, je vais devoir faire un rang à l'envers et ensuite un rang à l'endroit. Alors, pourquoi cela? Quand vous tricotez en rond, vous êtes toujours sur l'endroit de votre travail. Ben oui, quand je tricote en rond, alors attendez, je vais juste vous montrer sur le modèle que je suis en train de tricoter. Voilà. Bon, voilà. Donc, quand je tricote en rond, évidemment, je ne retourne pas mon travail. Je suis toujours sur le même rang. Donc, je suis toujours sur l'endroit du travail. Quand je suis en jersey, je vais uniquement tricoter à l'endroit. Donc, c'est bien plus simple. Hein? C'est, j'ai pas à faire un rang endroit, un rang envers, puisque je ne suis jamais sur l'envers de mon travail. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Mais quand je dois faire du point mousse, comme je suis sur l'endroit du travail, le point mousse, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, quand vous faites du point mousse, ce que vous voyez, c'est un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc, pour avoir cet effet-là, vous allez devoir faire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Donc, c'est très important, d'accord? On doit changer sa manière de penser quand on tricote en rond. Donc, une fois que vous avez monté vos mailles, je vais juste re-switcher, voilà. Donc, une fois que vous avez monté vos mailles, on commence. Le premier rang, c'est donc un rang à l'envers. Le deuxième rang est à l'endroit. Encore un rang à l'envers. Et on va répéter encore deux fois un rang envers, un rang endroit. Donc, en tout, on va avoir fait 5 rangs de points mousse pour pouvoir faire la petite encolure que l'on voit là. La petite encolure de points mousse. Voilà, cette petite encolure-là. C'est juste 5 petits rangs en point mousse. Une fois qu'on a fait ça, c'est parti. On va commencer le côté, ce qu'on appellera en anglais le yoke. Donc, toute la partie qui part de l'encolure jusqu'au dessous du bras avec les fameux jetés. Et notamment, on va former le creux de l'encolure avec... très bonne question Laurent, je vais te répondre après. Et on va former le creux de l'encolure avec les rangs raccourcis à l'allemande que on va revoir avec vous. Laurence me demande quelle longueur de câble pour commencer. C'est une excellente question. Comme c'est une encolure, c'est assez petit. Normalement, on va commencer avec une longueur de câble 16 pouces. Donc en français, ça va être du 40 cm pour les circulaires, comme pour un bonnet. Et puis, au fur et à mesure que vous allez agrandir avec les raglans, vous allez passer sur un 24 pouces et ensuite sur un 32 pouces. Donc, c'est là où souvent, travailler avec des aiguilles interchangeables vont être bien agréables. Voilà, à moins que vous, vous soyez très à l'aise avec le Magic Loop. Donc là, vous pouvez commencer directement avec un 32 ou un 40 pouces et faire votre Magic Loop. Donc là, ça dépend un petit peu de votre technique. Personnellement, je suis souvent, je ne travaille pas avec la Magic Loop parce que j'aime bien que ça soit rapide, mais c'est une bonne façon de ne pas avoir à investir sinon dans plusieurs câbles. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous avez monté vos mailles, vous avez fait vos 5 rangs de points mousse et on va commencer les rangs raccourcis pour pouvoir creuser l'encolure. Alors, je vous ai fait un petit dessin, hein, qui est derrière.
pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire et ensuite je vais vous faire la petite démo. Alors, évidemment, j'ai le chat qui s'est allongé et endormi sur mes genoux, donc ça va être un petit peu compliqué, mais voilà. Non, attends, le chat, là, ça va pas le faire. En fait, j'ai vraiment besoin de me lever. Pète, tu te mets ici, d'accord? Non, tu marches pas sur l'ordinateur. Alors, voilà, regarde, tu dis coucou à la caméra. Voilà. Ok, donc, comment ça va se passer? Ici, le MDR, ça veut pas dire mort de rire, ça veut dire marqueur du début de rang, d'accord? MDR, le voilà. Donc, on va évidemment dans ce sens-là quand on tricote, ok? Donc, ce qu'on veut, c'est avoir plus de hauteur dans le dos et moins sur le devant pour pouvoir creuser l'encolure. Donc, on va commencer. On va faire un premier rang. Hop, on est sur l'endroit. On va passer sur la moitié du dos. On va passer sur la manche en faisant nos jetés, hein, vous vous rappelez. Et puis, on va arriver un peu sur le devant. On va faire, je pense que c'est deux mailles après la manche pour le devant. Sauf qu'on va s'arrêter là. Et on va repartir en arrière, on va partir donc sur un rang envers. On va arrêter quand on va faire les rangs raccourcis, on va arrêter de tricoter en rond, on va travailler en aller-retour juste pour cette portion-là. Donc, j'ai fait mon premier rang, j'étais sur l'endroit, j'ai fait mes jetés sur la manche, je repars sur l'envers. Sur l'envers, évidemment, là j'ai déjà fait des jetés, donc je vais tricoter tout à l'envers normalement. Je repasse par mon marqueur de rang et là, je vais aller dans l'autre sens, je vais faire l'autre partie du dos et là, sur l'envers, je vais faire des jetés pour l'autre manche, d'accord? C'est pour ça que je vous ai fait cet exercice où vous faisiez des jetés sur l'envers. Donc, de l'autre côté du marqueur de rang, sur l'envers, là, je vais faire mes jetés ici, je vais avancer un tout petit peu sur le devant et là, je vais repartir dans l'autre sens. Donc là, je vais tricoter à l'endroit. Je vais passer mon marqueur de rang et je recommence. Je fais un rang où je fais des jetés de ce côté-là. J'avance un tout petit peu plus ici. Donc, je dépasse le rang raccourci que j'avais fait avant. J'avance encore un tout petit peu plus. Je m'arrête et je repars dans l'autre sens. Je suis à l'envers. Je passe le marqueur de rang. Je vais dans l'autre sens, je dépasse le rang raccourci ici et je repars. Donc vous voyez, c'est ces allers-retours qui vont faire que je vais tricoter évidemment sur le dos et les manches. Il y a ma puce. Ok. Donc, qui vont faire que je vais travailler sur le dos et les deux manches. Sur la manche du côté gauche, par rapport à mon dessin, je vais faire les jetés sur l'endroit. Et quand je vais être sur la manche de ce côté-là, je vais faire les jetés sur l'envers, d'accord? Et c'est en faisant cette partie-là où j'avance progressivement sur mon devant que je vais ainsi creuser l'encolure, avoir plus de hauteur sur le dos et moins sur le devant. Donc je vais juste vous remontrer avant qu'on passe sur l'exercice que je vais vous montrer. Voilà, je vais juste changer les caméras, voilà. Voilà, donc je vous remontre, là c'est le milieu de mon dos et on peut voir que il y a plus de rang ici, ça s'est creusé et l'arrondi qu'il y a eu, c'est parce qu'au fur et à mesure, eh bien on a avancé sur le devant. Alors, dans le patron, comment est-ce que c'est expliqué que je vous le traduise quelque part? Donc, une fois que vous avez monté vos mailles, vous avez fait vos 5 rangs au point mousse, vous allez avoir ce qu'elle a appelé, Anna, un rang de positionnement où vous allez placer vos anneaux repères. Donc, ça va séparer le tricot en 4 parties, le devant, le dos et les deux manches. Donc, j'ai fait un... Chaque essaye d'attraper mon tricot. Ça va pas le faire là, j'ai besoin d'un assistant. Donc voilà, j'ai séparé, comme vous pouvez le voir, mon tricot en plusieurs parties. J'ai pris un anneau repère, ça c'est très important, qui est différent. Ça c'est le milieu de mon dos. Et puis, après, là,
j'ai ma manche, le devant, l'autre manche et le dos. Donc, j'ai séparé vraiment mon tricot en quatre parties, comme elle l'explique. Donc, elle le marque bien. Je tricote un rang à l'endroit, c'est le rang de positionnement, en plaçant les marqueurs de cette façon. Donc, elle commence 20 mailles, placer un marqueur, 2 mailles, placer un marqueur. On n'oublie pas qu'entre chaque marqueur, il y a 2 mailles. Donc ça, vous suivez, ça va simplement donc séparer tout votre tricot en 4 parties. Vous allez avoir besoin de 8 anneaux repères, tout simplement. Ensuite, on commence les rangs raccourcis. Donc, comme vous avez fait les exercices, ça va être super facile pour vous. Lâche Sophie. Ok, excusez-moi. J'ai quelqu'un de pas coopératif du tout avec moi ce matin qui attrape tous les fils qui dépassent. Ok, on va commencer. Ok, je vous fais donc une petite démonstration en aller-retour. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Si vous avez fait les exercices, vous allez trouver ça très très facile. Ok, donc je commence, je suis sur l'endroit de mon travail. Lâche ça. Je tricote donc la moitié du dos. Oui, Laurence, tu as raison. Tu fais d'abord 5 rangs en point mousse circulaire avant de faire le rang de positionnement. Oui, c'est un chat diabolique, Catherine. Donc, là, j'ai donc fait la moitié du dos. J'arrive à ma première, mon premier 2 mailles qui est encerclé par mes anneaux repères. Donc, on se rappelle, c'est déjeté sur l'endroit. Je place mon fil devant. Je glisse mon anneau repère et je fais très attention que mon jeté ne se retrouve pas à l'intérieur de mes anneaux repères. Je tricote mes 2 mailles. Voilà. Et après l'autre anneau repère, je fais un autre jeté. Donc maintenant, je suis rendue dans la partie qui va être la manche. Donc, je tricote les mailles de la manche. Petit démon. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Arrive l'autre set d'anneaux repères. Donc, mon jeté, je glisse, je tricote mes 2 mailles. Je vais te répondre après, Laurence. Je glisse l'anneau repère et voilà. Donc là, j'ai fait ma manche et ça va être mon devant. Alors mon devant, dans ces explications, fait juste 2 mailles supplémentaires. Moi, je vais en faire... On va faire les 2 mailles et lâche ça, my God. Okay. On fait 2 mailles sur le devant, mais on ne va pas continuer plus loin. Donc on se rappelle, qu'est-ce que je fais? Je tourne mon travail. Là, je suis sur l'envers de mon travail. Et on va faire notre petit joint, on va faire notre rang raccourci à l'allemande. Pour ça, je glisse, je tire vers le haut, je ramène mon fil devant et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, normalement, jusqu'au marqueur de rang. Alors, Laurence, pendant que je tricote à l'envers jusqu'au marqueur de rang, je vais répondre aux questions. Pourquoi alterner rang droit et rang envers au lieu de faire tout un rang à l'envers? Donc, comme j'expliquais, nous sommes en train de faire du point mousse et non pas du jersey envers. Le point mousse, vous avez l'impression que ce n'est que des mailles à l'endroit. Attendez, je vais juste... Voilà. Donc, voilà. Donc, je réexplique, hein, Laurence. Le point mousse, c'est des rangs à l'endroit. Alors, ces rangs à l'endroit, il faut pas oublier qu'en fait, quand tu fais un rang à l'endroit... De l'autre côté, il apparaît donc à l'envers. Puis tu tournes ton tricot, tu es sur l'envers de ton tricot, tu fais un rang à l'endroit, mais de l'autre côté, il apparaît à l'envers. Donc en fait, quand tu regardes du point mousse, ce que tu vois, ce n'est pas des mailles à l'endroit, parce que sinon, ça serait, tu verrais du jersey. Ce que tu vois dans du point mousse, c'est une alternance, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. C'est ce que tu vois quand tu travailles en aller-retour, ok? Si je veux avoir cet effet-là en circulaire, étant donné que je suis toujours sur l'endroit de mon travail, je vais devoir faire un rang envers, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit. Puisque l'encolure n'est pas faite en jersey envers, elle est faite en point mousse. Voilà. Isabelle, quand on veut placer les marqueurs, on compte à partir du marqueur de rang? Oui, tout à fait. Donc, quand tu vas placer
tes marqueurs, hein, c'est dès le début du rang, tu as le marqueur de rang, là, quand tu as joint en rond. Donc, c'est à partir du marqueur de rang que tu vas compter comme elle te le dit, d'accord? Hop là, voilà. Donc, là, j'arrive au marqueur de rang. Je glisse le marqueur de rang et là, je suis partie sur l'envers de mon travail. Donc, je fais la deuxième partie de mon dos, puisque le marqueur de rang, je vous le rappelle, il est au milieu du dos, d'accord? Donc, je fais la deuxième partie du dos, le mi-dos. Ensuite, j'arrive aux anneaux repères pour la deuxième manche. Eux, ils n'ont pas encore eu de jeté, mais comme je suis sur l'envers, nous allons donc faire nos fameux jetés sur l'envers. J'ai mon fil ici et je fais le tour de mon aiguille. Je glisse, je tricote mes deux mailles à l'envers. Je glisse mon anneau repère. Je refais ce fameux jeté. Là, je suis donc dans la manche. Donc, je vais tricoter les mailles de la manche. Voilà. Je refais mon jeté face à des mailles envers. Je glisse mon anneau repère. Et on fera toujours attention de bien avoir uniquement deux mailles entre nos anneaux repères. Hein. Je glisse. Je refais mon jeté. Et là, je tricote. Je suis sur le devant. Je vais tricoter deux mailles. Une, deux. Je vais tourner mon travail. Et je vais revenir sur mes pas. Donc, je fais mon rang raccourci à l'allemande. Donc, pour ça, je passe mon fil devant. Je glisse ma maille. Je tire mon fil vers le haut pour dédoubler la maille. Et je suis repartie à l'endroit jusqu'au marqueur de rang. Donc, il n'y a pas de jeté sur cette partie-là, puisque les jetés sur l'autre partie du dos, ils sont faits sur l'envers. Voilà. Donc ça, c'est les trois rangs qu'elle vous explique. Je vais remontrer mon diagramme. On va relire tout ça. Je vais juste... Voilà. Donc ça, c'est les trois rangs qu'elle vous explique. C'est-à-dire qu'il y a un rang sur l'endroit où on fait les jetés de chaque côté des manches en maille, en jeté en droit. On repart sur l'envers et on va faire de l'autre côté les jeter sur l'envers. Et ensuite, le troisième rang, c'est juste, on se rend jusqu'au marqueur du début. Donc, voilà. Donc, je me rends. Voilà. Et le troisième rang, voilà. Je suis arrivée à mon début et je suis prête à recommencer. Alors, le prochain rang, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre jusqu'au rang raccourci qu'on a fait. Donc, on se rappelle, ça c'est la moitié du dos. Ça c'est la manche. On va se rendre jusqu'au rang raccourci. Et on va ensuite se rendre, pour ma taille, deux mailles après le rang raccourci. Et on va recommencer. D'accord ? Alors, Maria, je n'arrive pas à fermer mon travail car j'ai trop de mailles par rapport à mon câble. Alors, peut-être, Maria, que tu as un 12 pouces et non pas un 16 pouces. Donc, il faut que tu prennes un câble d'une taille supérieure, tout simplement. Attendez, je vais juste... Hé, le chat, redonne-moi mon fil. Merci, mon cœur. Voilà. Donc, attendez, je vais juste vous montrer. Donc, à chaque fois, on avance, selon votre taille, de quelques mailles après le dernier rang raccourci. Donc voilà, je suis là. Là, je suis sur le côté où je fais mes augmentations avec les jetés sur l'endroit. Hop. Voilà, là. Mes petites deux mailles de raglan. Deux. Là, je suis sur ma manche. Je suis obligée de faire du magic loop, me dit Maria. Alors, aiguille comprise, ben, il faut vraiment que tu... Maria, quelle taille tu avais? Parce que normalement, si tu as un 16 pouces, ça doit
tout à fait rentrer tes mailles. Hein. Donc, ça dépend vraiment la taille de ton câble. Sinon, il faut que tu changes. Donc, juste, je vous montre. J'ai passé la manche. Je tricote une, deux. Là, je suis sur mon premier rang raccourci. Donc, je vais le résoudre. Donc, on se rappelle, hein, on tricote les deux mailles ensemble. Et puis là, on avance dans les deux mailles. J'en fais qu'une parce que sinon, je vais être pris de court. Je tourne mon travail et je repars dans l'autre sens. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc ça, l'exercice, vous l'avez fait. Je vais juste revenir dessus. Maria, si tu as des 16 pouces, tes mailles, elles doivent rentrer. C'est vraiment, même avec 120 mailles, tes mailles, elles doivent rentrer. Il n'y a pas de raison que tes mailles, elles ne rentrent pas. D'accord ? Elles vont passer sur le câble, ça c'est normal. Mais toutes tes mailles doivent rentrer. Sinon, c'est pas normal si elles ne rentrent pas. D'accord ? Donc, réessaye, mais c'est pas normal. Tes mailles, elles doivent rentrer. Laurence, la vidéo coupe régulièrement. Est-ce que c'est juste moi, Ben ? Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît ? Parce que c'est pas normal que ça coupe. Donc, je vais demander à Ben qui regarde ça, d'accord ? Ah non, moi ça coupe pas. Ok. Donc, Laurence, c'est ton internet dans ces cas-là, si ça coupe pas. Ça me rassure. Merci, Lise. Ça me rassure. Ok. Donc, ok. Alors, Maria, le 16 pouces, on parle bien que le câble. Alors, oui, normalement. Normalement, 16 pouces, en fait, 16 pouces, c'est bien le câble. Oui, tout à fait. Normalement, c'est un câble 16 pouces et des aiguilles 4 pouces qui vont ensemble. Ok, donc, je vais juste passer à travers l'explication pour le GSR. Donc, quand ça commence, donc, vous avez vos mailles. Rang 1, endroit. Il y a marqué « tricoter jusqu'au M ». Donc, M, c'est le marqueur. Ça va être le premier anneau repère que vous allez avoir. C'est celui donc de la manche. Donc, sur mon dessin, d'accord, on est ici. C'est-à-dire, c'est celui-là. Ok, vous faites votre jeté. Vous glissez l'anneau. Vous avez vos deux mailles. Hop, vous faites le jeté. Vous tricotez toutes les mailles de la manche. Vous faites les jetés de chaque côté des mailles raglan ici. Ensuite, vous allez tricoter deux mailles en droit, et là, GSR. Donc, GSR, ça veut dire, non, je tourne le travail, je fais mon GSR. Ensuite, tricoter à l'envers jusqu'au MDR. Donc, je tricote à l'envers jusqu'au marqueur de rang. Puis ensuite, tricoter jusqu'au prochain marqueur. Donc, le prochain marqueur, c'est celui-là, l'autre manche. Je fais mes jetés de chaque côté. Je tricote les mailles de la manche. Je fais mes jetés de chaque côté ici. Je tricote deux mailles de plus. Je tourne et je fais mon rang raccourci, évidemment. Et le troisième rang, c'est tout à l'endroit jusqu'au marqueur de rang. Voilà. Ensuite, il y a marqué faire ces trois rangs quatre fois au total en faisant un rang raccourci deux mailles après le rang raccourci précédent. Donc, je vais au prochain rang. Je fais donc mon rang 1. Là, c'était mon rang raccourci précédent. J'avance de 2 mailles et je repars. Rang 2 tout à l'envers. Là, c'était le rang raccourci précédent, donc je dois le résoudre, hein, les tricoter ensemble. J'avance de 2 mailles et je repars. Le rang 3 tout à l'endroit jusqu'au marqueur de rang et je recommence à l'endroit, les jetés évidemment. Là, c'est la deuxième fois que j'ai fait un GSR. Ben là, j'avance encore de 2 mailles supplémentaires. Et je repars, je vais un peu plus loin, et le troisième rang, marqueur de rang. D'accord ? Donc, ça, vous allez le faire, donc un total de 4 fois, comprenant évidemment les premiers rangs que vous avez faits. Donc, juste notez-les bien, histoire de ne pas trop vous perdre à l'intérieur de ça. Une fois que vous avez fait le total de vos rangs raccourcis, ça y est, c'est parti, c'est le bonheur. Vous allez pouvoir tricoter en rond en faisant un rang d'augmentation normal, c'est-à-dire que vous allez augmenter de chaque côté des anneaux repères, hein, donc tranquillement, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toujours à l'endroit maintenant, vous allez tricoter en rond. Donc
de chaque côté des anneaux repères. Ok, donc ça vous faire un, donc ça va vous faire un total de 8 mailles augmentées par rang. Et après avoir fait un rang d'augmentation, vous faites un rang sans rien. Martine, combien de rangs en GSR? 4 fois égale 3 fois égale 12. Oui, en fait, tu as un total de 12 rangs qui sont faits. Tout à fait. Ok? Mais juste comptez-les. Hein. Ou alors, moi, je suis un petit peu tête en l'air, un petit peu même très, très beaucoup. Donc, ce que je fais, c'est que je me marque 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et je les raye au fur et à mesure que je les fais. Donc, j'écris. Voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Mes petites techniques un petit peu bricolo, mais écoutez, comme je suis très tête en l'air, je préfère être bricolo que de me tromper. Donc, vous voyez, regarde Martine, je fais ça. Puis à chaque fois que j'ai fait un rang, je le barre. Donc là, je suis sûre que j'ai fait mes 4 rangs, mais voilà, à chaque fois, je barre. Comme ça, je suis sûre que je ne perds pas le compte. Parce que comme je suis très souvent dans la lune, ça m'aide à ne pas mélanger mes affaires. Donc une fois que vous avez fait ces rangs raccourcis-là, vous allez faire un rang d'augmentation de raglan normal, un rang à l'endroit, un rang d'augmentation normal, un rang à l'endroit. Donc ça, ça va être le bonheur. Et ce qu'elle vous dit, c'est que vous devez faire au total, alors je vais parler pour ma taille, moi je dois faire un total de 26 RAR. Alors, RAR, ça veut dire quoi? C'est rang d'augmentation de raglan. Donc, moi, étant donné qu'il y a eu les rangs raccourcis, des fois, ça peut être un peu compliqué de se dire, mon Dieu, j'en suis où? Je vais vous donner mon petit truc à moi qui fait que je ne compte pas mes rangs pour les rangs d'augmentation raglan. Je vais juste vous montrer et vous allez voir, c'est bien pratique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je fais un rang d'augmentation raglan? Je fais un trou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai simplement compté les trous. Regardez, ça, c'est un super truc. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, etc. 6, 7. Donc, vous avez juste à compter 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, comptez juste les petits trous. Et c'est ça qui va vous aider à savoir où vous en êtes. C'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est super facile et pratique de le faire dans ce sens-là. Alors, sachez que pour les tailles allant de 140 à 158, je pense, non, même avant, 130 à 158, il va y avoir des modifications. Donc, il va y avoir soit des rangs de raglan supplémentaires, où il va y avoir des rangs d'augmentation dans le corps et non pas à l'intérieur des manches. Donc ça, je vais vous l'expliquer la semaine prochaine. Ce que je vous propose de faire, parce que là, je vous promets, vous avez déjà pas mal d'heures de plaisir devant vous, c'est de vous rendre jusqu'au maximum où vous pouvez. Donc regardez là où vous devez vous rendre selon votre taille. Vous pouvez n'en faire que la moitié. Sachez que voilà, on a 2 semaines devant nous. La semaine prochaine, moi, ce que je vais expliquer, c'est pour les tailles de 130 jusqu'à 158, toutes les petites tous les rajouts qu'il y a, d'accord? Pour toutes les tailles qui sont avant la taille 130, vous pouvez simplement faire vos rangs de raglan jusqu'à ce qu'on voulait, jusqu'au chiffre qu'on vous demande, d'accord? Mais la semaine prochaine, donc nos prochains cours, il y en a un mercredi, un dimanche matin, ça va être vraiment de vous expliquer pour les grandes tailles quelles vont être les modifications. Puisqu'il va y en avoir, vous allez voir, il y a des petites augmentations intercalaires qui vont advenir pour le corps. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que vous allez devoir faire? Est-ce que c'est clair? Faites-moi un petit coucou juste de me dire oui, moi, ouais, ça m'a l'air d'être clair. Dites-moi tout. J'ai le chat qui s'est endormi, emberlificoté dans la pelote. Alors, oui, dites-moi juste, est-ce que c'est clair? Mm-hmm.
Ça a l'air d'avoir fonctionné. C'est bon pour moi, ouais. Ok, super. Donc n'oubliez pas, de toute façon, vous pouvez revenir dans la vidéo. N'hésitez pas aussi de me poser des questions à l'intérieur du groupe, d'accord ? Très clair, ok, super. Mais à partir du moment où vous comprenez en fait qu'on travaille sur l'endroit et sur l'envers et qu'il y a une partie à droite de l'anneau repère qui est sur l'endroit, à gauche de l'anneau repère qui est sur l'envers, juste pour les rangs raccourcis, ça va complètement vous aider, d'accord ? Super, bon ben, si vous comprenez cette construction-là, je vous promets, c'est un vrai bonheur parce qu'il y a énormément de pulls top-down vont être construits de cette manière-là et ça vous ouvre énormément de possibilités. Vraiment, les pulls top-down, c'est la vie, il n'y a pas de couture, c'est tellement adaptable, vous allez adorer. Bon, ben, je suis vraiment ravie si ça a pu vous éclairer. Donc, la semaine prochaine, comme je dis, on va travailler pour les tailles à partir de la taille donc 130, ok ? Isabelle, je tricote avec des aiguilles longues de 5 pouces, ce n'est pas l'idéal, n'est-ce pas ? Non, ça va être l'idéal plus tard, hein, mais pour l'encolure, il faut des 4 pouces si tu veux pas que ça soit que ça soit trop pogné un petit peu dans tes mailles, d'accord ? Avec grand plaisir, Lynn, vraiment avec grand plaisir. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager mon dimanche matin avec vous. Si on alterne au bal, à quel endroit commencer ? Alors, attends, si on alterne au bal, à quel endroit commencer ? Oh, oui, évidemment, Martine, tu commences avec ton marqueur de rang. C'est ça, ton début de rang. Voilà. Laurence, est-ce qu'on s'arrête à la séparation manche et corps ? Oui. Si tu as fait le total qu'on t'a demandé pour les raglans, arrête-toi. C'est à ce moment-là que je vais vous donner le cours sur la séparation des manches. Ok, donc tu viens d'essayer avec tes aiguilles 16 pouces, ça tire un peu, mais c'est bien. Parfait, c'est super. Ok. Bon, de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui rentrent en jeu, là, n'hésitez pas évidemment à écrire sur le groupe. Émilie et moi, on est là pour vous répondre. Donc voilà. Donc oui, pour ceux qui vont aller jusqu'au bout, vous vous arrêtez à la séparation manche et corps. Parce que si vous ne séparez pas les manches du corps, ça va être très problématique pour enfiler ce pull. Voilà. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, oh, regardez-moi ça. Oh. Voilà. Hein ? Tu sens encore la pâtée du matin, toi. Dans la mesure du câble, est-ce que la partie en métal entre en jeu ? Non. C'est... Non. Vraiment, normalement, une aiguille de 40 cm, tu as le câble. Et c'est quand on dit aiguille de 40 cm, c'est du début de l'aiguille jusqu'à la fin de l'aiguille que ça fait 40 cm. Est-ce que c'est important d'alterner la laine à nid par reine ? Je te dirais que oui. Ben, en fait... Tu vois, là, moi, c'est celle que j'utilise. Là, je suis passée à la deuxième pelote et c'est quand même de la laine teinte à la main. Donc, on voit quand même une petite différence. Donc, oui, je te conseille d'alterner un rang si tu veux que ça soit très homogène, vraiment. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Puis, je vais me préparer pour le deuxième cours puisque... Ouf, j'ai des poils plein le nez maintenant. Puisque ben, ça va être le cours du tricot. Ça, je vais y arriver. Hein, dimanche matin et moi, c'est pas évident. Ça va être les cours sur la couverture. C'est notre dernier cours. C'est le cours d'assemblage avant qu'on commence un nouveau groupe qui va être sur les cadeaux de Noël. Donc voilà. Mais on va vous en parler très bientôt. Donc voilà. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Et puis à mercredi ou à dimanche prochain. Bye bye.